voyez qu'au fond de ce couloir, il y a une espèce de d'impasse ou de porte en pierre qui est fermée, d'accord. Et tu vois un au sol, tu vois un, une silhouette au sol avec un grand habit rouge. Du coup, moi, je le vois, le truc qui est par terre. Ah bah oui, oui, bah il est au fond. Et maintenant, tout le hall est éclairé par ce, ce mur de foudre et tout le couloir est, est éclairé. Vous voyez d'ailleurs que c'est un couloir assez bas de plafond. Enfin, vous pouvez rentrer dedans debout, hein, mais enfin là, il y a un mur de foudre, du coup. Oui, de toute façon, toi, ça va. Les murs sont complètement lisses. Le plafond aussi, de murs de granit noir. Enfin, je sais pas, c'est toi le spécialiste, hein, je sais pas exactement quelle pierre c'est. Et au sol, effectivement, bah, les dalles de pierre continuent. Mais devant, on a un mur magique d'orage. Et devant vous, oui. Et plus loin dans le couloir, tout au bout, vous avez une porte en pierre qui est fermée. Qui est scellée. Et juste devant, il y a un mec. Et juste devant... Alors, puisque tu le regardes plus attentivement, tu vois que la silhouette, c'est comme si elle essayait d'atteindre la porte. Alors, elle est dans une position, c'est comme si elle essayait d'atteindre la porte. Est-ce que je le reconnais, cette personne? C'est... Non, pas particulièrement. Non, mais les habits, au moins les habits, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu? Oui, bah c'est le... Effectivement, c'est le mec où tu t'es fait claquer la porte trois fois dessus. Bah je lui dis, chais. Chais. Attendez, t'avais vu, c'est un truc. C'est que lui, s'il est dans cet état-là, ça se trouve, il n'y a pas que la foudre. C'est-à-dire là, ça se trouve, on va continuer, on va se retrouver... Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que toi, il n'y a pas moyen que tu vois un espèce de mécanisme ou est-ce que tu peux pas essayer de repérer si on peut désactiver la foudre? Et en même temps, moi j'aimerais... Un truc de magie, alors... Je peux essayer de le désactiver, le truc de magie. Je peux sillonner la magie... Attends, laissons voir si Borok... Juste parce que moi, quand même, j'ai des connaissances aussi. Donc, que je regarde les plaques, maintenant que je les vois aussi, si je lis quelque chose, oui, est-ce qu'il y a si je vois quelque d'emploi. Chose de particulier. Il y a des choses écrites. Est-ce qu'on peut pas lier nos deux compétences en même temps, du coup? Alors, tu regardes et tu vois bah, des histoires sur... Tu vois rien de particulier, sinon tu vois juste que c'est un temple de Tepok. Il n'y a rien de particulier. Du coup, moi, je vais faire un test voir à cet endroit-là s'il n'y a pas quelque chose pour désactiver ça. Il y a un piège de foudre. Non, il n'y a rien de... Je te fais même pas faire genre le test. Genre, c'est archi lisse, il n'y a rien qui dépasse. Il y a juste... Il y a absolument rien. En tout cas, de l'extérieur, tu vois absolument, absolument rien. Ok, je voudrais faire un truc, c'est que... Donc, je prends... du coup, ça a servi à rien. Donc, quand même, j'ai des lamelles d'un vêtement... d'elfes que j'ai abîmé, ouais. Bref. Je voudrais en prendre, en mettre autour de mon marteau, ouais. Et le jeter en avant comme ça, donc pour pouvoir le récupérer si jamais. Et, petit à petit, je lance un mètre, okay. Je le récupère. Ça tu, fait rien. Tu le jettes loin ou pas? Enfin, je tu fais, le jettes un mètre. Je fais okay. Un mètre. Tu le jettes d'un mètre, il tombe au sol, vous entendez les échos de ce marteau. Par contre, quand tu vois le marteau frapper le sol, tu vois que le sol, il n'est pas du tout régulier. Ça veut dire qu'il y a comme des espèces de gravures ou quelque chose qui est gravé sur les dalles. D'accord. Parce qu'il glisse pas, donc en fait il fait... T'arrives à voir ce qui est marqué sur les dalles ou pas? Alors moi je suis du côté du mur de foudre, donc déjà oui, est-ce que je le vois lui? Non, non. Alors oui, tu le vois lui, oui. Par contre tu vois pas s'il y a des gravures sur les dalles qui sont au sol. Bah du coup moi je regarde les dalles de là, nous on est au sol déjà, est-ce que je vois un truc particulier au niveau de l'endroit? Ah, où au niveau de foudre. Toi, alors tu vois juste que c'est des dalles en pierre, mais non, et toi niveau, là au où t'es... Au niveau de là où est le mur de foudre. Ouais. Coup, parce que je suis devant. Ouais, est-ce non. Est-ce que je vois une différence? Non. Ok, je tire. Ouais. Maintenant je lance à 2 mètres. Ok. Pareil. Ouais. Et une dernière fois, 3 mètres. Non, mis à part que bah tu sens que mis à part que le marteau, tu sens que ouais, il y a des gravures au sol, voilà, c'est tout ce que tu vois. Je pose une question quand même. C'est vrai que toi t'es à l'intérieur, donc toi qu'est-ce que tu fais? Snorri, t'as déjà vu ça ou pas? Snorri dit que c'est un piège. D'accord. Snorri pense que tu dois regarder partout dans le couloir. Ok. Ben j'avance, je fais un pas. Ok. Donc le couloir, donc il n'est pas très grand, d'accord. C'est un couloir de, tu vois au sol, il y a quatre dalles de pierre. D'accord. Sur quelle dalle tu marches? Il n'y a rien écrit dessus? Si, il y a des gravures. Bah c'est juste que tu m'avais pas demandé. D'accord. Ok. C'est pas ça que je t'ai dit.
Dis-moi ce que tu vois au alors, sol. Alors, j'ai 4 dalles devant moi. T'as 4 dalles. Qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus? Et tu regardes. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs symboles ou il y a un symbole sur chaque dalle? Tu vois exactement, tu vois ça. Tu regardes le couloir. Ok, je peux la voir, mais je vais pas leur montrer aux autres. Exactement. Et nous, de notre côté, par contre, pas... on voit c'est à travers. Excuse-moi, on voit à travers. Est-ce que tu peux. C'est les 4 premiers. Moi, tu m'avais dit qu'il y avait rien au sol, donc ça veut dire que de notre côté, il n'y avait pas de symbole. Voilà, de ton côté, non. Ok, je vous fais un petit topo de ce que je vois là. Ok. Y a 4 dalles devant moi. La première à gauche, c'est globalement une flèche qui va vers l'arrière. La deuxième, c'est une espèce de. C'est comme un M à l'envers, d'accord? W du coup? Bah pas vraiment, c'est vraiment comme un. Parce oui, que ça parce fait que tac, 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 okay. Et tac. Ça fait d'accord. Comme un M à l'envers. Sauf que par-dessus ce M, on a l'impression qu'il y a un autre M très pointu. D'accord? Okay. Ensuite, nous avons trois espèces de symboles qui forment une flèche qui va vers la droite. Comme des petits champignons en fait. Qui forme une flèche. Et ensuite, on a une autre flèche aussi à droite. Une autre flèche à droite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça me dit quelque chose, moi? Alors, juste, est-ce que vous voulez tenter quelque chose? Est-ce que vous voulez faire une action? Je sais pas, n'importe quoi. Sinon, je continue. Je sais pas. Regardez, essayez de fouiller dans mon grimoire si je trouve pas des trucs. Attends, qui correspondent avec. Juste un truc, c'est que. Oui. Est-ce que je peux le voir le dessin? Est-ce qu'elle va elle va essayer de dessiner un truc ou pas? Bah non, on n'a pas de papier. Vous n'avez pas de papier. Donc ma question c'est alors, donc toi tu regardes dans ton grimoire, ouais. Et toi est-ce que tu veux tenter genre comme ça un truc qui te attends, vient par la du tête? Coup, bon, du coup en essayant, non bah non, de façon non, tu vois rien. Ok. Non, donc tu vois dans le grimoire et dans le grimoire tu vois rien de particulier. Par contre toi, tu sais que c'est des lettres de quand il te décrit tu vois vaguement. C'est du sourien, quoi. Exactement. Et je te donne un M très pointu. Ah, j'ai l'alphabet. Toi, alors. tu connais l'alphabet. Est-ce que une flèche en bas, c'est vraiment ouais. Une flèche en bas, ça veut dire quelque chose? Ouais. C'est quoi? Et alors bah c'est des lettres en fait. Hein. Oui, donc, bah alors c'est quoi comme lettre? C'est on est I ou U. C'est le son I ou U. Mais après tu vas voir un mot en sourien, va falloir que je le traduise. C'est pas grave, je te dirai. On est sur du. On est sur quoi? Alors, le son I ou UI, ça dépend des d'accord. mots. D'accord. Ensuite. C'est bien l'autre M, il est bien par-dessus le oui, M et à l'envers. On dirait des dents de vampire. D'accord, c'est ça, c'est un T. D'accord. Ça fait 8. Et ensuite, c'est trois petits champignons qui font comme une flèche sur la droite. Tu sais, comme trois. Oui, oua. Oui. Oua. Ok, est-ce que déjà le premier mot en hauteur comme ça, il te dit quelque chose? Abdzui. Abdzui. Je sais pas. Ça va être rigolo ça. Ok, bon, montage, okay assez... donc il y a normalement un truc au-dessus du pH. Au-dessus du pH, c'est comme si on avait pris une petite planchette de bois, d'accord? Et qu'on l'avait coupée comme ça. Elle est en longueur? Elle est en longueur. T'as un petit tac, 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 tac. Prends un rond qui n'est pas fermé, en mode carré. Enfin, c'est un carré qui n'est pas fermé, quoi. D'accord, ok, c'est bon. Les mathématiques en sang, la géométrie dans les okay, chaussettes. Ok, c'est bon, j'ai okay. tout. Alors, vas-y, balance-les et alors, ça te parle. Alors, est-ce que je sais déjà en sourien, est-ce qu'on lit de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, en diagonale Il n'y a pas de... ça dépend du contexte. Ok, d'accord. Bon, là, mais maintenant qu'elle a tout, ça lui dit quelque chose. J'ai acre, j'ai... Beftlo, Dumptme, Zeglix, Wadzwal, ça c'est le dernier. Sinon en truc j'ai Ronxl, Kitblzgua. Ouais. Donc là tu lis tous les mots à la verticale. Je les ai lus à l'horizontale, à la verticale. J'ai alors à la verticale et à l'horizontale, il n'y a rien qui te dit rien. Et parce que, est-ce que je peux faire un espèce de rébus? Enfin tu vois genre tu cherches les lettres et tu cherches... C'est un mot mêlé en fait.
Est-ce que tu veux nous montrer ce que tu as trouvé? Oui, ça va. Tu peux les dessiner au sol avec. Normal. Ok, bah je dessine ce que j'ai au sol. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faudra faire un truc. Alors attendez, parce que moi c'est. Sinon, j'ai des mots que je connais, juste si on a besoin de le chercher. Juste HRP, vérifier. Parce que sinon, on va y passer pendant deux jours. Vérifiez que vous vous êtes pas trompé sur le nombre de hauteurs par rapport au nombre de largeurs. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en hauteur. Attends, mais là, il y a 2, 3, 4, 5 en hauteur. Parce que c'est une lettre qui fait WA. 5 et 4. 5 et 4, oui, c'est bon. Okay. Parce que là, il y en a 4. Mais là, effectivement, il y a des lettres qui sont doubles. Qui sont, c'est un son, en fait. Ah, WA. WAN, normalement, c'est la jungle. Mais là, il n'y a que WA, il n'y a pas de AN. Hein? C'est forcément Et moi je fais mon boulot le mec. Moi je gueule. Eh l'ami. Il répond l'autre là-bas. Est-ce que vous trouvez un Lucas quelque part? Gar, G A R. Est-ce que avec mes connaissances de la magie elfique et tout et mon grimoire, je peux essayer de ça peut m'aider? Rien du tout. Non. T'as jamais vu aucun de ces symboles, tu les as vus ni même Okay. Bah là, c'est pas les symboles que j'ai écrits, c'est les lettres. C'est les lettres phonétiques. Moi j'ai les lettres phonétiques. Oui, mais que ça soit les non mais enfin, les lettres, lettres elle, mais bon elle sait pas parler donc elle sait pas parler le. Et moi ça me dit rien non plus du tout quoi. Enfin, je sais parler le saurien donc vraiment ça me dit rien du tout. Bah ça dépend comment tu le lis. C'est des lettres, il faut bah, j'ai essayé de lire dans tous les sens. Oui, mais non mais tous les sens ça veut dire quoi? Alors, horizontal, non. Vertical, diagonal. Non. Droite gauche? Non. Gauche droite, donc j'ai fait les deux. De bas en haut. De bas en haut, de haut en bas. Non, je pense que globalement c'est un truc du style tu sais les où tu fais imaginons que tu as 4 points. Donc et déjà, tu viens faire tu sais comme les jeux Bah en fait, comme on connaît pas l'alphabet, je suis pas sûr que est-ce que c'est de la phonétique hein. Ah attends. Non. Est-ce que les symboles viennent pas te dire comment on les lit? Non. Quand c'est des flèches. C'est ça, je lui pose. Les symboles ne décrivent pas le sens de lecture. Non. D'accord. D'accord. Donc bon, on sait déjà que c'est pas ça. Ah mais attendez, je suis con. Le mot qu'on va trouver, c'est il doit avoir un dans chaque case, mais on est con. Hein? C'est-à-dire que c'est une lettre dans chaque colonne qui va me donner le. Quelle case j'avance? Bah oui. Et non, ou alors ça peut être regardez. Bon, vu que tu l'as au sol, ça peut être un sens qui fait je prends une lettre, je pense que ça sera forcément une voire deux lettres à la première colonne. Ensuite, ça va être pareil une ou deux lettres, ensuite une ou deux lettres, une ou deux lettres. Donc il faut qu'avec ça on fasse un mot avec une lettre de chaque truc. Pas une ou deux parce que bah vas-y, j'essaye de faire ça, j'essaye de choper une lettre dans chaque ligne. Bah oui, mais du coup, il faut comprendre. Bah oui, non, mais je suis censé comprendre les lettres. Moi, je comprends ça. Pour moi, c'est des mots. C'est comme si j'avais. Alors, si tu prends un. Complètement au hasard, si tu prends un truc au pif, ça fait pas de mots particuliers, à part si tu me donnes le mot. Est-ce que dans ton background, t'as pas des mots là? Alors, il s'appelle Tepok, hein, le gars, déjà. On est dans le temple de Tepok. C'est le nom du mec. Bah voilà, mais alors ça, est-ce ça, que. C'est bon, on a trouvé. T-E-P-O-K, ça fait C-O-P-O-K. Bon. Ah non, mais attends, lui il est dans le sang. E-P-O-K. Ouais. T-E-P-O-K. Ah bah voilà. Donc le T, c'est celui-là. Mais il est dans, par rapport à lui. C'est dans ce sens-là, lui il est là. C'est celui-là. Ah oui, d'accord. Bah oui, alors bah voilà. tu avances sur le T, tu avances. Okay. Alors le T, attends, je vais te dire c'est quoi. C'est celui-là. Attends, regarde, je te l'ai mis si tu veux. T. On va faire en mode roleplay. Sur quel. Donc tu as des dalles. Sur quelle dalle tu marches? Ok, alors la première dalle, c'est le M. Ok. Je vais tout M doucement. Pour toi, hein. je le M avec les dalles de vampire. Ok, j'avance tout doucement. Je mets tout doucement premier pied, puis deuxième pied sur cette dalle-là. Alors attends, le premier pied là. Ah oui, les deux pieds sur les la deux même pieds dalle. Sur le M inversé okay, avec les dents de vampire. Okay. Ok. Pas les trois autres, genre vraiment la deuxième en donc partant de la gauche. Tu mets le pied, il se passe rien. Tu mets le deuxième pied? Oui. Tu mets le deuxième pied, il se passe rien. Ok. Alors, quelle est la prochaine truc? Le labyrinthe. Donc il est juste en face de moi. C'est le labyrinthe, je vérifie. Alors attends, je vais reprendre mes fiches. Ton E pour le Tepok, parce qu'on est parti sur le Tepok. On est d'accord que c'est un labyrinthe qui fait comme ça. Regarde-moi, oui, regarde-moi. C'est en face, c'est tout à fait, c'est en face. Tac, 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 tac. C'est okay. En face. Je mets le premier pied. Ouais. Je mets le deuxième pied. Il se passerait. Vas-y, ok, joins la prochaine. Ok, alors non, maintenant, on a notre fameux triangle rectangle qui doit être en diagonale droite de ton E.
T'as ce triangle, oui. On est d'accord. Okay. C'est là que tu vas. Donc je vais là. Donc la case diagonale droite. Ok, sur l'espèce de triangle rectangle. Voilà, exactement. Celui qui vraiment devant moi, il y a une case et je vais prendre celle de droite. Tout donc c'est le P. Le tu P. mets. Ouais. Il se passerait. Ok, toujours tu continues en diagonale droite, tu as notre carré. Notre carré, d'accord. Le carré de base, je refais une case en diagonale à droite. Là j'y vais, là je suis confiant là. Je mets les deux pieds. Il se passe rien. Ok, et après c'est quoi le dernier? Et après bah, ça va être diagonale gauche. Et c'est, attends je retiens le triangle, là, triangle avec les deux petits carrés là, chaud, ouais. Ok pareil, donc là je vais sur la première case et je vais directement de l'autre côté après. Ok, au moment où tu poses ton pied sur la dernière dalle, tu vois devant toi la porte qui s'ouvre, la porte en pierre, dans un grand grincement de pierre. Et tu as une porte qui s'ouvre. Et devant toi, tu as une petite salle avec flottant en milieu de la salle un espèce de cube gravé en métal qui flotte au milieu. Et du coup, sur ma droite, j'ai le petit gars qui est... Et sur la droite, oui, tu as le... Alors maintenant que tu es beaucoup plus près, tu vois bon, les habits rouges, ça tu le voyais bien. Tu le vois qu'il est, c'est un cadavre complètement carbonisé. Ah. Je demande un truc à Gordrak. Est-ce que tu peux me ramener le gars? Tu le mets devant moi, enfin, genre devant... Ah le, oui, et porte, devant là. Vous, pardon, la porte, c'est... Ah, c'est bon. La ah, porte a bah disparu, c'est... évidemment, ah, la porte en foudre s'est bah disparue. Oui. Vous avez réussi, effectivement, c'est le temple de Tepok, et il fallait marcher sur les différentes dalles pour former le mot Tepok. Ce que je vous propose, c'est qu'il me dit, tu peux me ramener le gars? Et là, le truc ouais. s'enlève, et je dis, bah, tu vas le faire, Thomas. Voilà. Et donc, du bien coup... Bien vu. Ok. Donc, du coup, moi, j'avance vers ce petit cube. Ok, donc t'avances, et tu arrives dans une petite pièce... Tout est absolument lisse, c'est même pas des dalles de pierre, tout est ouais. lisse. Et tu vois au sol des petites fleurs rouges. Attends, des petites fleurs rouges? Attends, moi je me recule. Je connais les plantes aussi. Hein. Me recule. Je dis. C'est des potions, c'est les ramenez vos mouilles. C'est ce qu'il me faut moi pour mon délire. Enfin, ça doit être ça. Donc j'y vais. Comment réagit mon lézard? Attends, le truc vient de s'ouvrir, il y a un truc lumineux, tu vois des fleurs, tu te jettes dessus. Ouais, j'y vais. Non, attendez. Okay, non, ce truc lumineux vous dit quelque chose à côté de ça? Parce que, ouais. Ça ressemble quoi? C'est un petit carré lumineux, quoi. C'est un petit carré qui tient dans la pub. Est-ce que mon lézard réagit? Est-ce que moi, ça me dit quelque chose? Ça te dit un truc, toi? Je pense que ça va venir un truc. Il a combien de force mentale, ton lézard, déjà? Alors, mon lézard, il a 70 de force mentale. Il a plein de force mentale. Non, il sent absolument. Enfin, en tout cas, il réagit pas. Et moi, du coup, je regarde le gars, le cadavre, parce que toi, tu t'es jeté dessus, mais moi, le cadavre, je veux voir déjà ce que c'est avant de vouloir me jeter dans cette pièce-là. Ah oui, non, mais moi, je veux y aller, ouais. Oui, moi, j'y vais un peu. Non, d'accord, alors je vais commencer par j'enchaîne. Ouais. Donc, toi, effectivement, tu regardes. Qu'est-ce que tu veux regarder Tout, en fait, je voudrais essayer de l'inspecter pour voir. Du coup, c'est le gars qui était dans sa piole, là. Ouais. Qui m'a, voilà. Alors, tu vois à sa ceinture une dague avec la croix. Il l'a pas paumé déjà, c'est déjà bien. Voilà. Okay. Donc est-ce que tu veux le récupérer? Oui. Donc tu le récupères. Bon, imagine qu'elle a une garde en croix, j'ai pas de dague. Oui. Voilà. Bon, voilà. Donc, ok, voilà. C'est la même très bien. Que très bien. Du coup, à part le signe en croix, il n'y a rien de. Non, c'est juste une dague qui est assez vieille d'ailleurs. Enfin, c'est assez vieillot, c'est un peu de mauvaise qualité. Mais effectivement, c'est la dague que tu avais montrée Rude à l'époque. C'est normal, c'est la dague d'un charpentier. Je la mets à. À ta ceinture. À la ceinture et d'accord. Je continue de sculpter, enfin de voir le gars. Toi, t'as écouté, t'arrives, il t'arrive devant toutes ces fleurs, devant C'est bien des fleurs de phalanx. C'est des fleurs de phalanx, Mais alors, je te les cueille, mais bam. Tu me jettes un D4, la moisson. La grosse moisson. Et tu vas rajouter 1. 4, 5. Oh. Et ben tu récupères 5. Il y en a que 5? Oui, il y a assez. En fait, il y a assez de fleurs parce que c'est des toutes petites fleurs. C'est assez pour faire 5 potions. D'accord. Bon, vous voyez Chahé se précipiter sur. Donc elle rentre à l'intérieur, elle cueille les fleurs et il se passe absolument rien. Qu'est-ce qu'on fait de ce caillou là? Bah, c'est un caillou, c'est dans un truc de magie, donc c'est forcément un truc magique. Bah oui, c'est toi qui vas nous récupérer ce truc magique. On va le prendre à la main. Tu vas encore te faire TP dans un endroit chelou. Tranquille. T'as qu'à utiliser ton sort de manipulation. Ah, liste. J'allais le faire, j'y ai pensé. Mais j'ai oublié. Ton sort de... Oui, je m'approche de ce truc. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais?
tu me dis. Hein. Du coup, c'est un carré qui est en train de bouger dans le vide, c'est ça? Ouais, c'est un espèce de carré en métal avec des espèces d'inscriptions. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans un petit gant? Non. Avec plusieurs autres. Avec plusieurs autres. J'ai envie de demander à mon maître si c'est quelque, si il connaît cette magie ou s'il sait que si c'est safe. Non, mais attends, ton maître, c'est quoi? C'est allô, maître? Non, mais il est un tour de moi. D'accord, d'accord. Maître. Fais-moi un test de force mentale parce que là c'était parce que vous êtes toujours pas reposé hein, depuis tout à l'heure. Et t'as donc... toujours 3 points de vie hein, je te rappelle hein. Bah, t'as 3 points de vie. Comme moi j'en ai. Fais-moi un petit test de force mentale pour voir si tu arrives à communiquer avec ton maître. Plus 10 sans... Non. Plus 30. J'essaye toujours. Nickel. Pas de crème. Ok, il te répond que non. Il répond que quoi? Que non, il sait pas ou non? Et non, il sait pas ce que c'est. Et ben je prends le cube. Donc tu le prends dans ta main, on c'est est ça là pour. Okay. Tu le prends. Et tu meurs. Et je meurs. Il se passe rien. De ce que je connais, moi, des temples sauriens, quand on prend un truc dans un temple, c'est mal vu, c'est un truc qu'il faut faire. Ah bah c'est du vol, oui. C'est du vol. Bah oui, c'est du vol. Il n'y a pas de truc magique, il y a des inscriptions dessus, je peux un peu l'inspecter pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Alors toi, ça te dit rien, par contre, toi, tu reconnais les symboles de t'époque qu'il y a tout autour. Okay. D'accord, donc moi je pense pas que ce soit une bonne idée de le prendre ce truc là. Enfin, pour moi, enfin, alors, juste quand vous le prenez, juste pour le dire, c'est trop tard, on l'a pris là. Tant qu'un saurien, donc là je fais ma session en ruling, on va dire, donc les règles. Tant qu'un saurien le tient en main, tout le groupe bénéficie de plus 5 en force mentale. Oh, donne-le à mon lézard. Ah oui. J'aime bien. Oh, c'est pas bien. Non, mais prends-le. Elle est passée. On va pas piller le truc quand même. Non, si. Ouais, mais si. Ça donne des stats. Go. En tout cas, je le dis. Qu'est-ce que je pense, enfin, de ce que je connais de la communauté des sauriens, s'ils savent que on a ce cube sur nous, ils vont mal le prendre ou pas, selon mon intuition. Dépendant de l'importance des objets, bah, il y a des cités qui se sont fait détruites pour avoir volé le mauvais objet, par exemple. C'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire. Et il y a des objets qui ont pris, et en fait, ça n'a aucune importance, et les sauriens l'ont laissé passer. Je pense qu'il faut le laisser. Hein. Moi, je pense qu'il faut le laisser quand même. Ça pue. Hein. On va jamais être. Mais bon, ça se revend très bien. Oui, mais non, moi, mon but, c'est d'aller chez les sauriens pour aller demander leur aide. Donc, si on fait un truc comme ça. Si tu vas chez les sauriens avec un objet qui leur appartient, d'un truc qui n'est pas censé avoir bougé. Ou alors, attendez, on fait mieux que ça. On ramène le gars là, qui est cramé. Ouais. On dit que c'est nous qui l'avons cramé, parce qu'il avait la pierre en main. Bah, pourquoi tu la ramènes alors? Bah on savait pas où on l'a trouvé, on l'a trouvé sur le mec. Ah, que le gars l'avait sur lui. Ah ah. Pas folle la guêpe. S'il a été cramé. Et comme ça, récompense. Ça pourrait. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez? Ouais, vous mais le non, remettez, ils vont savoir si ils vont savoir. Qu'est-ce que vous me dites? Moi je serais d'avis de le laisser. Moi, je pense que c'est pas une très bonne idée de le prendre. Ouais, moi je suis aussi d'avis, on va le laisser là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, on fait un vote à main levée pour éviter de... Bah, de toute façon, on est 3 contre 2, donc même si j'arrive à convaincre Snorri, 3 contre 2, quoi. Puis il y a le désordre. C'est vrai qu'il y a Snorri. Snorri, il veut la pierre. Snorri, il veut la pierre. Snorri, toi, tu veux la pierre ou tu veux qu'on la laisse là? Snorri dit que c'est pas une arme, donc ça n'intéresse pas Snorri. Ok, alors oublions, allez, c'est bon, laissez-le là. Donc vous le remettez, c'est ça là où... Donc quand tu le remets, tu vois le cul qui commence à reflotter comme s'il était. Je prends le cœur du dragon corrompu que j'ai et je le colle sur le cube. Ça fait rien, mis à part que ça dégueulasse le cube. Ah bah bravo hein. T'as pas d'ailleurs de sortilège style purification ou des trucs comme ça, toi? Je peux transformer de l'eau en vin, c'est tout. Ok, vous partez de la salle? Oui, remontons. Non, attends, faut qu'on se repose. Oui, non, mais vous sortez de la pièce. Ah oui, de la pièce. Donc vous sortez de la pièce, au moment où vous sortez, vous arrivez dans le couloir, la porte se referme derrière vous. Qu'est-ce que vous faites du cadavre? Il est bien mort, hein, c'est ça que j'avais dit. Ah, il est mort carbonisé. On le laisse là, on s'en branle. Bah, on regarde s'il y a des trucs sur lui. Ouais. Y a pas mais je l'ai déjà fouillé de toute façon. Un truc à... Non, tu m'as juste dit que tu prenais la dague. Ah non, mais j'ai dit. Tu l'as fouillé. Ah oui. Fais-moi un petit test. D'accord. Ça passe. Ouais, ça passe. Ouais, très bien. Tu trouves des pièces d'or. Tu vas me jeter un des 10. C'est quand même pas de chance. Une pièce d'or. Tu trouves une pièce d'or. Il est nul. Mets-le dans la bourse. Voilà ta pièce d'or. Ouais, bah, je la donne au nain, c'est lui qui a la bourse. Ouais. Ok, tu peux rajouter une pièce d'or en plus. Waouh. Je dis que j'ai la bourse, mais toi, t'as gardé des trucs. Hein, de sol. Cadeau à la commu. Ok. Donc vous êtes dans la grande salle, donc vous sortez de ce couloir avec les dalles gravées. Félicitations. De la résolution de cette énigme faite de main de maître. Vous êtes dans la grande salle, vous êtes au sec, vous êtes complètement trempé. Dans le noir, toujours. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi allumer mon feu!
Ouais, je pense qu'on va faire ça un peu. Alors, j'allume le feu. Ok, tu l'allumes, ça prend. Alors, ça prend quand même un peu de temps. Le temps, parce que c'est bon, voilà, c'est des, juste des vêtements elfiques, donc c'est un peu plus compliqué. T'arrives à allumer un petit feu. Ok, vous reposez. Alors, sauf, attendez. On fait des tours de garde. Tour de garde, toujours tour de garde, tour de garde. Okay. On sait jamais. Moi, je veux bien prendre le premier tour de garde et en profiter pour lire mon bouquin. Alors, si tu lis ton bouquin, c'est une demi-journée, donc c'est toute la nuit. Donc, tu ne dormiras pas. Mais ça fait pas de malus, hein, pour l'instant. C'est si tu fais plusieurs insomnies de suite. Mais là, c'est la première, si tu veux. Je vais faire ça et je veux chercher Crocodile. D'accord. Bah, du coup, ça sert de tour de garde un peu parce qu'elle reste à l'affût. En fait. Ah, bah, tu peux rester toute la nuit. C'est moi qui dormirai la prochaine nuit. Aujourd'hui, je dors pas. Comme ça, vous pouvez bien vous reposer. Ok, donc vous allez me jeter un des quatre pour récupérer des points de vie. Ah, mais moi, j'ai pas besoin, je suis fou. Bah, tu récupères un point de vie. Je récupère tous mes points de vie. Très bien. Donc, tu cherches à. Crocodile. Okay. Je sers dans le sommaire Crocodile et je cherche. On récupère nos points de fortune. Comment ça marche? Je sais plus. Les points de fortune, vous les récupérez tous. Voilà, c'est ça. Sauf toi, parce que tu te reposes pas. Je les avais pas perdus, ça. Ah bon, bah voilà. Alors, tu vas me jeter un test d'intelligence, s'il te plaît, avec ton bonus linguistique, n'est-il pas ? Ça passe. Avec le bonus, ça passe. J'ai rien, donc je vais. Donc tu lis quelque chose, tu crois que t'as lu Crocodile, et en fait. J'ai préparé plein de trucs, mais pas Crocodile. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, par contre, tu as un truc qui s'appelle de la cervelle de géant au paiement. Voilà. C'est une recette où tu as besoin de cervelle de géant et de piment. Et tu as plus 10 en force pendant une journée. Oh, c'est bon ça. Ça peut être mal. Parce que là, on n'a pas de cervelle, on n'a pas de piment, quoi. Ouais. Donc, la nuit se passe. D'accord, rien de particulier. Toi, pardon, la nuit se passe. À un moment, il y a Snorri qui se réveille en plein milieu de la nuit. Et tu vois qu'au petit matin, il commence à s'entraîner avec ses armes au milieu du temple. Il s'éloigne un petit peu et il fait des mouvements. Vous savez, il a des haches attachées à des chaînes. Et il fait des mouvements pour s'entraîner de bon matin, comme il l'avait déjà fait pendant plusieurs matins avant. D'accord ? Vous vous réveillez, vous avez donc gagné vos points de vie, vous avez gagné tous vos points de fortune, d'accord ? Et on est au petit matin. Je vais vous demander si vous avez de la nourriture, je vais vous demander de la manger ou vous allez me faire un test d'endurance. Est-ce que tout le monde a une ration de nourriture ? Moi je vais manger là. Moi aussi. J'ai une ration. Allez, on mange. Donc toi tu manges. Moi je me prépare mon croco. Je teste comme ça. Moi je fais griller. Avec de l'eau aussi pour le faire un peu bouillir et pour le faire griller. Et je le prépare comme je préparerais n'importe quelle viande que j'ai chez. D'accord. Tu vas me faire un test d'intelligence pour voir si tu le prépares. Par contre, moi j'ai une ration plus. Je crois que ça m'a. Tu m'avais dit que ce que j'avais, ça me donnerait. Les jungles font mieux que ce soit moi qui mange le croco. Tu m'as dit intelligence, pardon, ouais. Plus quelque chose. Tu m'as dit non, mais juste intelligence. Et comme tu as le livre, j'ai oublié, tu as le livre de techniques de cuisine, parce qu'il n'y a pas que des recettes, il y a comment préparer des trucs. Donc tu as plus 10 en préparation des plats. Complexes. Et donc ça, c'est en intelligence, du coup. Exactement. D'accord. Okay. Préparation de plats complexes. Moi j'ai essayé dans cuisine, j'ai raté. Oh, j'ai fait 6. Eh ben, tu l'as très bien préparé. Il ne se passe. Tu manges à ta faim. Je mémorise cette préparation pour ma prochaine ration parce que j'en ai deux. Je me dis, j'ai fait comme ça. Donc tout le monde a eu sa ration. Toi, t'as eu une ration. J'avais une ration plus. Je sais plus du tout par contre où je l'ai eu. Il me semble que c'était. Ration luxe. En fait, les rations de très bonne nourriture, ça peut avoir des impacts normalement. Si t'es malade ou t'es en malnutrition, ce genre de choses. Ah, d'accord. Là, ça donne pas un bœuf. Non, là t'es normal, mais effectivement, si t'avais eu un malus avant. Alors attends, peut-être que tu manges pas ça, mange une. Non, j'ai que ça. Bah attends, on la garde pour une autre fois. Je te donne une ration. Et quelqu'un donne à Snorri quelque chose ? Il a rien pris lui. Ah, il a rien lui ? Ah bah évidemment. Moi je peux lui donner, j'ai un truc. On a de la bouffe. Tu lui prépares ta deuxième ration de crocodile ? Ouais, je lui donne mon croco, comme ça j'ai fait tout mon croco. Allez, full croco, Snorri il est très content. Tiens, c'est le croco qu'on a tué, Snorri, des merci. Donc là, c'est le matin. Vous avez passé la nuit au sec, d'accord. Et quand vous pointez le bout du nez dehors, il continue à pleuvoir. Mais vous avez passé la nuit au sec. Du coup, là, ça compte plus les 24 heures où on est sous la pluie.
Voilà, exactement. Vous a, voilà, le but, c'est de faire reposer ses, on a mis assez sa chair. Et tout ça, et c'est, tout est bon, quoi. Voilà, bah oui, bah, je me doute que si vous avez fait un feu... Nous dormons nus, du coup. C'est, bon, ça, tu fais ce que nous tu veux. Nous dormons pas nus. Si, Rina, nous dormons nus. Cool. Rina dort nue. Rina, tu es trempée. Enlève-moi. tu m'as dit que mes préparations de poison, si j'ai tous les trucs, c'est instantané. Donc on peut dire qu'avant de partir, là, j'ai fait mes deux poisons ou pas? Tu peux en préparer un. D'accord. Et ben, je prépare de côté une potion de phalanx. Okay. Fais-moi un test d'intelligence pour voir le nombre de concoctions que tu vas avoir. Donc, tac, ça passe. Ça passe ? Ouais. Alors tu vachement intelligente cette session. Alors tu vas me jeter un des quatre. Tu as un des quatre doses. Tu as un des quatre potions pour te transformer en mage. Quatre. Eh ben tu as quatre potions. Eh ben franchement tu es. Ah ouais, non mais là tu es. Ok, bah nickel. Ok, bah, je fais mon truc. Ok, où vous allez ? Il faut qu'on est-ce que vous continuez d'aller vers l'est, donc là où a pointé ce charmant Caleb, ou est-ce que vous rebroussez chemin? Ok, donc vous partez à l'est, ouais, c'est ça? On part à l'est. Vous continuez. Je vous fais pas faire de test particulier parce que vous vous êtes reposé au sec, mais vous continuez à marcher pendant plusieurs heures. Voire même plusieurs jours, mais il ne se passe rien. Vous vous abritez dans les arbres. Tu t'es reposé. Oui. Du coup, tu vas me relancer un des quatre. Et d'ailleurs, ceux qui perdent leur. 4 4. Ça, c'est bon. Ouais. Il est dedans. Et donc, là, vous êtes un peu trempé. Et vous arrivez à un moment où vous entendez au loin la mer. Vous entendez. Entend les remous. Les remous des vagues. Bon, on avance un peu vers la plage. Ok, vous arrivez vers la plage et voilà, c'est une plage, de sable. La pluie s'est arrêtée. Pas de pluie sur la mer. La pluie s'est arrêtée et vous voyez au loin une ville. Donc, un peu plus loin, à quelques minutes, voire peut-être une heure de marche. À quoi elle ressemble de loin est-ce que les bâtiments sont hauts? Est-ce que ça fait bidonville? Non, c'est moins bidonville que Bourville. Bourville, c'était vraiment le ghetto. C'était vraiment ghettoville, quoi. Là, bon, il y a une palissade de bois. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vois que. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des défenses. Là. Est-ce qu'avec nos connaissances, on peut. Enfin, est-ce que ça nous dit quelque chose cette ville qu'on voit au loin? Pas du tout. Vous, ce que vous savez, il y a une ville qui s'appelle Skegi, c'est la ville des Nordiques, ça vous le savez. Il y a une ville qui s'appelle Bourville, c'est là d'où vous venez. Et il y a une ville qui s'appelle Porpia. On dit aller à Porpia aussi. Non, c'est là où vous venez. C'est là où on doit aller. Voilà, ça c'est ce que vous savez. Et après, il y a des temples, des trucs, des machins. Et moi, du coup, j'ai une idée de quelle ville ça peut être, vu que j'ai quand même vécu toute ma vie ici. Ouais, mais t'es pas allé à Port... Bien joué Oxane, bien joué. Alors du coup je me dis, dans le cul, vu la situation, d'accord, vu là où on est, je pense que ça doit être Porpia. Je suis jamais allée personnellement, mais vu qu'on est à l'est de la jungle, au niveau de la plage, il y a de fortes chances que ce soit Porpia. Bon bah go à Porpia. Allez. Il était temps qu'on y arrive. Hein. Donc vous arrivez à Porpillard. Donc vous arrivez à Porpillard, donc voilà, vous entendez chuchoter du ciel de Dieu. Porpillard, voilà, c'est les mouettes. Oh, les mouettes. Vous arrivez devant une grande palissade de bois qui est un peu mal au point, comme si elle n'était pas très entretenue, et c'est une palissade de bois de plusieurs mètres de haut. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes toujours sur la plage. De toute façon, on nous a vu arriver, non? Oui, j'imagine. Alors moi je tape. Tu tapes plusieurs minutes, mais tu n'entends que les vagues qui se fracassent sur le rivage. Combien de mètres de haut la palissade? Tu peux l'éviter au-dessus. Ok, bah je l'évite au-dessus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Donc tu vas. Arrêtez d'envoyer. Donc tu vas. Tu montes petit à petit, et quand tu arrives. En haut de la palissade, tu vois des maisons de bois et de pierre, mais complètement fracassées. Il n'y a personne. D'accord. Je bois ma potion. Tu bois ta potion? Oui. Ok. Tu bois ta potion et tu sens l'énergie magique qui,
s'imprègne dans ton corps. Et tu es maintenant une mage de niveau 1 de la bête. Et je peux faire mon sort ? Oui, tu peux faire ton sort. Voilà, mon sort, okay. Donc du coup, moi je suis en haut, je leur dis que toute la ville a été détruite. Ouais. Et qu'il n'y a que des ruines. Et du coup, j'essaie de passer de l'autre côté pour essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Alors, non, d'abord, l'ouvrir. Chaque chose en son temps. Donc elle veut lancer son sort. Donc, juste, donc pour l'instant, t'es à combien ? Tu as 7 plus. Tu as 7 plus. Donc lance ton sort. C'est quoi ton sort, pardon ? C'est vision thermique. Non, d'accord. Moi, c'est juste la vision, comme ça, je vais pouvoir voir s'il y a des gens, en fait. Ah, stylé. Bah oui. 7. Oui, ouais. 7 plus, donc 7, oui. Donc, vous voyez... Donc, toi, tu vois l'énergie qui se dégageait de son lézard, une énergie magique qui bat au même... Comme un cœur, tu vois. Et tu vois que les vents magiques tournent autour de Chahé et arrivent dans ses yeux. Et là, vous voyez que ses yeux, ses pupilles se transforment pour faire des yeux de reptile, donc avec une fente sur les côtés. Et toi, effectivement, tu vois non pas tes camarades avec des couleurs, mais tu les vois en termes de chaleur. Vision thermique. Et comme j'ai réussi mon sort, est-ce que je gagne un plus 1, comme je ne le maîtrise pas encore totalement ? Alors, je suis à 8 plus alors que je peux aller jusqu'à 5 normalement, c'est un difficulté. Alors du coup tu gagnes de 1. Tu gagnes de 1, on est d'accord. Voilà. Du coup t'étais à 8 plus, du coup t'es maintenant, à 7 plus. C'est à 7 plus. Voilà. Ok, super. Il y a moyen qu'on rentre en... Dites-moi comment vous rentrez. Moi je voudrais mettre des gros coups de hache dans la porte. Alors c'est une palissade. Alors c'est une palissade qui protège la ville, donc tu vas mettre 2 jours. Enfin je te le dis, hein, on fait le tour. On a le temps. Oui. Moi je suis à l'intérieur. Du coup, je vais de l'autre côté et j'arrive à rentrer à l'intérieur et je regarde si je trouve pas une porte. Pour oui, la porte d'entrée, elle est ouverte. Bah, on fait le tour et on rentre. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, débile. Donc pendant que Gordra qui l'atomise la couverture à coup de hache, il y a Rina qui arrive. Mais c'est ouvert, hein, de l'autre côté. Hein, voilà. Donc, vous suivez Rina ou vous voulez attendre que Gordrak défonce la palissade ? Non, c'est bon, c'est avec Snorri, on défonce la palissade. Ok, donc vous entrez dans la ville. Alors, c'est quand même une ville assez imposante, à peu près de la même taille que Bourville, et qui avait l'air plus cossu que Bourville, où c'était vraiment que de la tôle et des bateaux, des épaves de bateaux qui étaient transformés en demi-maisons, etc. Sauf que tout est détruit. D'accord. Ça veut dire qu'il quoi, y a eu une mutinerie ou un truc comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a eu un tremblement de terre ou il y a eu quelque chose ? Bah, on va voir au centre pour voir ce qui s'est passé. Ouais, venez, on tourne et on voit si on trouve pas des... Alors, tu vois rien, toi, vous tournez... Il y a des cadavres ? Vous voyez que tout a été détruit, mais sur l'extérieur de la ville, vous voyez que les maisons sont moins détruites que vers l'intérieur. Plus vous vous enfoncez dans la ville, et plus les bâtiments ont été brûlés, détruits, comme soufflés. Est-ce qu'on voit de la fumée au fond, genre comme un genre de bûcher, ou genre un truc de fumée un peu en hauteur, d'un endroit particulier ou... Alors, il n'y a pas une grosse fumée noire comme s'il y avait un feu. Il ouais. n'y a pas ça, mais effectivement, tu vois des volutes de fumée comme si... Je gueule. Oh, ok, rien. Bon, vas-y, moi, je rentre. J'avance. Okay. Ouais, on avance un peu vers l'intérieur de la ville, quoi. D'accord, l'ordre de passage, s'il vous plaît. Moi je suis en premier, je suis toujours en premier. Moi je, bah pareil, je, comme d'habitude, je survole un petit peu, je fais de la lévitation. Toi tu survoles tranquille. Et là il y a des flèches. Moi je ferme la marche. Hein. Ok, Snorri il est où ? Snorri il est à côté de toi ? Il est en dessous de moi. Ah bah non, il est en. Oui, donc il est entre. Bah vous mettez les deux nains devant ou vous en mettez un derrière ou... Bah moi je prends Snorri avec moi, on ferme la marche. D'accord, et du toi, coup toi t'es au milieu. Ouais, et moi je scanne un peu partout, je regarde vraiment tout. D'accord. Partout. Vous voyez effectivement des traces de combat. Okay. Ah. Classique. Des traces de combat dans la ville, des lances brisées. Mais pas de cadavres. Et si, il y a des cadavres. Il y a des cadavres humains. Ouais. Bah moi je m'approche d'un des cadavres humains, j'essaie de trouver des traces, quel genre de traces, si c'est des animaux, si c'est des genres êtres humains qui ont fait ça, si c'est genre s'ils se sont fait attaquer, si j'arrive à avoir des traces de, je sais pas, de trucs un peu. D'accord, normal, toi tu fais ça, toi tu fais quoi ? Je fais juste un petit moi, tour. Moi je regueule une fois. Ok, tu cries ? Je crie, en fait je voudrais voir s'il y a pas des gens qui... Survivants. Donc des survivants, donc je regarde,
Je m'attarde pas sur quelqu'un en particulier, je regarde mon regard et tout, je passe et je gueule. Toi tu fais quoi? Ok, je fais un petit tour et après je vous dirai ce qui se passe. Moi je vais essayer de... Enfin, je voudrais faire un test de fouille pour voir s'il n'y a pas des passages... passages. Non. Toutes les villes, bah, bien sûr. Alors à part si tu me dis un endroit partout, parce que là c'est au plein milieu de la ville. Non mais je veux pas un passage secret, je voudrais juste voir s'il n'y a pas des ruelles un peu cachées. D'accord, ou des trucs, et toi est-ce que tu veux, toi tu scannes de ta vision thermique pour voir s'il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. D'accord. Je vais commencer par toi. Ouais, d'accord. Ça marche. Toi tu regardes, tu vas me faire un test, tu vas me faire un test d'intelligence. Plus 39. Ah ouais? Non, non. Tes mains sont douées. J'ai connaissance de l'étiquette, hein. Peut-être que ça peut... Je rien du tout. Intelligence. Ouais. Oui. Non. Non. Ah, c'est quoi? Pas loin. Ouais, pas loin. Ouais. Non, bah tu vois que les personnes, ils ont été blessés, tu sais pas comment. Tu sais pas comment ils étaient blessés, mais voilà, sinon tu vois rien de particulier. Il y a du sang et tout, c'est pas genre ils sont pas morts de l'intérieur. Non, d'accord. Pas du tout. Mais, voilà, ils sont tous morts de vieillesse. C'est que les... D'un coup, les bâtiments aussi. Non, ils sont morts de vieillesse. Magique un peu spécial. Ensuite, toi, tu vas me faire un. Ouais, alors du coup, comme j'ai fait quand même pas mal de villes de l'Empire maintenant, que j'ai vu les passages à Marienbourg et que machin, est-ce que il y a... Alors tu peux. Oui. Alors ce que vous j'ai connaissez l'expé maintenant. Alors... Au centre de la ville. En général, c'est les quartiers riches. Donc voilà. Donc en général, c'est des grandes allées. Voilà, il n'y a pas de petites ruelles. Et plus vous allez vers l'extérieur, plus vous allez dans les quartiers un peu plus malfamés, un peu plus pauvres, avec plein de petites ruelles par-ci par-là. Et en général, dans les villes portuaires, c'est surtout vers le rivage, vers les ports, vers là où sont dégager toutes les eaux usées, etc., où ça pue la mort, etc. Donc, voilà, c'est là où c'est en général les quartiers qui sont les plus mal famés. Voilà. Donc, ça, donc, c'est ce que vous avez. Qui dit eau usée dit égout. Alors, tu peux me faire un test d'intelligence avec, avec ton. Ok, pour voir s'il y a des égouts ou des canaux de déversement, ce genre de choses. Réussite critique. Tu as des égouts, effectivement, tu as. Il y a plein d'égouts, il y a que des égouts. Juste à côté de toi, tu regardes, tu fais ici. Et effectivement, quand tu enlèves un peu la poussière, tu as effectivement un canal de déversement souterrain. Alors, c'est pas un égout, c'est pas un égout énorme, c'est plutôt un canal de déversement. C'est praticable. Tu peux rentrer dedans, faut se baisser, tu vois. Même pour un nain, faut se baisser. C'est pour dire que voilà, c'est vraiment. Mais oui, effectivement, tu as un canal de déversement qui se dirige vers le port. Enfin, vers le rivage. Il semble avoir été utilisé ou justement, tu disais, il y avait la poussière dessus, donc il n'a pas été pratiqué dans les. Mais c'est qu'une entrée, c'est qu'une entrée. C'est qu'une entrée, oui. Il y a d'autres entrées qui ont été pratiquées. Peut-être, mais du coup, ça veut juste dire que personne n'est rentré par ici. Mais oui, tu trouves. Mais depuis, parce que la poussière, elle peut être due simplement au combat, etc. Tu vois. Ben justement, c'est pour ça que je pose la question. Ok, donc toi, tu trouves ça, effectivement, tu trouves parfaitement l'entrée d'un système de déversement des eaux usées. Plus communément appelé égout, tout ça pour me la péter en tant que MJ. Et toi, du coup, tu cries pour voir si, en regardant, si ça entraîne une réaction. Alors au moment où tu cries, tu cries, et à un moment, toi tu vois au loin, au détour d'une maison, un petit brin de chaleur qui passe à travers une fenêtre comme si c'était une tête et qui disparaît.